content que nous autres cette année! C'est moi plus content! Mais c'est quoi les newbies, on voulait te préparer un plat? Parce que tu sais, cette année, le concept c'est party cuisine, on s'est dit, il y a sûrement un plat que t'aimerais manger dans le temps des fêtes. Oh là, t'as un sourire, t'as quelque chose, c'est quoi? Ben écoute, c'est sûr qu'il y a la fameuse tourtière, mais pour moi, il y a quelque chose de très, très traditionnel chez nous, c'est le ragoût de boulette de ma grand-mère, de ma mère, puis de l'arrière-grand-mère. Ok, fait que là, nous autres, on va essayer ça. Ok! On l'essaye! Ok! C'est une recette qui remonte à son arrière-grand-mère. Okay. Hein? C'est elle-même, Sarah, qui a écrit ça parce que c'était écrit à nulle part. C'est passé de génération en génération, elle a été de mémoire. Fait qu'on est prêt? Oui. Non, c'est moi qui vais vous donner les ingrédients. Ça prend des biscuits soda. Oh! C'est ça qu'on a ici, des biscuits soda. Bon, André, la seule job que tu vas pouvoir faire de toute la journée, casser des biscuits soda. Un poulet entier, le rincer, le déposer dans le fond du chaudron, mettre sur le rond 2 heures. There we go! Ça va être long! Faut rincer le poulet. Rincer le poulet. Tu peux pas faire ça? Oui! Là, tu prends un papier, essuie tout! Ok. Deux heures. C'est bon, André, fais sûr, ça bouille! Ah, non, mais tu es avec le pote, là! Ah, je regarde! Ok. Toutes les fois que j'ai cuisiné avec André, ce que j'aime le plus, c'est qu'il fait toujours une tâche qu'un comptoir peut faire. Merci beaucoup, André, de tenir l'assiette. Faire revenir les boulettes dans le beurre! On va faire ça tout de suite. Mettre toutes les boulettes dans le chaudron. Couvrir d'eau. On va se porter ébullition, faire mijoter 2 heures. Ça va de bon sens, mettre le poulet au complet, puis mettre les boulettes par-dessus ça, tu mets. Je mets ça dedans, là? Non, non! Hein? Non! On met pas ça dedans. Attends! Oui, c'est ça, mets ça dedans. Oui! Hey, ben, cheers, les gars! André, toi, t'as pas arrêté de minute. Je suis impressionné. Attends, là. Moi, je l'essaye là avec ça demain. Après ça, je vais goûter la boulette. 3-4. Ah, ok, du goût. 3-4. On l'a juste. Mais là! Arrête! Non, mais sérieux, voyons. Attends, on goûte la boulette. Ok. Hey, le bouillon, il est parfait, là. On l'a bouilli longtemps, peut-être le dire. Attends, la boulette, ok? Ah, la boulette! Voyons donc! Hey! Ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut avoir. Ben, voyons. Hey, non, mais j'étais mieux, là! Hey, les gars, j'en reviens pas! Yes! Hey, on l'a eu! On se part à un restaurant, les boys! Yes! Hey, merci, les gars! Attends! Hey, j'en reviens pas! Merci!